Hey, what's up guys, c'est Juvan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog dans un nouveau pays. Et aujourd'hui, on se retrouve à Malte pour découvrir un petit peu la ville, la culture culinaire, etc. Là, nous avons commencé la visite. Je vais vous montrer quelques petites images, ça va être super sympa. Et puis après, on trouvera d'autres villes. Donc là, on est directement à la capitale, c'est-à-dire La Valette. On a prévu un petit programme pour vous. Allez, je vous laisse apprécier ce petit vlog. Les gars, on fait une petite visite guidée, du coup on découvre un petit peu l'histoire. Voilà les gars, bien arrivé sur une île face de La Valette. Du coup là on va visiter tranquillement, j'espère que ça va être cool. Comme vous avez pu le voir, on a pris un petit bateau vraiment super dangereux. Mais bon, c'était la petite expérience. Après quelques minutes de marche, on a enfin trouvé un truc assez joli quand même. Bon, voilà, après quelques heures de marche, on n'en peut plus, on est mort, il n'y avait rien à visiter. Là on retourne à La Valette, on va essayer de vous emmener dans un endroit assez beau. En vrai on n'en sait rien. Allez, je vous dis à tout de suite. Les gars, petit rooftop, franchement magnifique. Je vous conseille ce bar, donc je vous mettrai en description. Ça s'appelle le Embassy Rooftop, franchement magnifique. On se laisse sur ces images, j'espère que vous avez apprécié la petite vue. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Hey guys, nouvelle journée. Aujourd'hui on est arrivé sur l'île de Gozo. C'est une île pas très loin de La Valette, tout simplement. On a mis 40 minutes de bateau. Et puis là on va montrer la ville Victoria qui se trouve à Gozo. Et on va essayer de faire des petites balades tranquilles, ça va être super sympa. On attend le bus et on y va. Très bien, à Malte, il y a pas mal d'églises, de cathédrales, etc. parce que c'est vraiment une ville croyante, surtout dans les années 1600, etc. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que ça. Mais, on vous a prévu quand même des treks. Bon les gars, si jamais il y a une invasion de quelconque peuple, nous on est en sécurité tout en haut, on protège tout Malte. Bon les gars, j'ai fait une connerie. Je suis en prison. Je suis dans la merde. Après la citadelle, on va enfin manger, après pratiquement un jour sans manger. Bon ça y est, on a fini le resto. Franchement, le lapin c'était excellent. Et surtout, comme on n'avait pas mangé depuis un jour, là ça faisait vraiment du bien. Là, on vient de marcher pendant environ une heure, une bonne heure franchement. Et on a trouvé un lieu magnifique. Je vous laisse apprécier ça. Honnêtement, je suis vraiment déçu. On a fait une heure de marche pour un intérieur pas terrible. Bon, l'extérieur, ça va quand même. Bon, allez, nous, on va rentrer. Je pense qu'on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, pour finir tout ça, on rate le bus de 30 secondes, même pas. Alors que de base, on était en avance. Et cet enfoiré, il est passé en avance. Et le prochain dans une heure. Du coup, on marche. C'est parti. Hey guys, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est arrivé à Medina. Donc c'est une ville au centre de Malte. On espère trouver un bon trek, on espère trouver des bonnes choses à faire. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que niveau décor, etc., c'est pas ouf. On se retrouve plus tard pour le trek. Là, on est parti à la côté médiévale. On va voir, ça va être comme hier, la petite citadelle. J'espère que ça va être cool.
que je viens de vous montrer, c'est des petites pâtisseries. Honnêtement, j'ai déjà bien mangé ce matin. D'ailleurs, je vous mets une petite photo là, du petit déj qu'on a pris. Honnêtement, là, pas pour aujourd'hui. Alors, peut-être demain, on verra, mais là, le sucre, c'est fini. On va pas trop s'approcher, sinon on est mort là. Les gars, on vient de se faire chier à monter. Je sais pas combien de temps de marche, c'était impossible le truc. On arrive devant ce que je voulais vous emmener. Juste derrière moi, c'est fermé. On doit faire demi-tour et on redescend tout ça. Hey guys, alors hier j'ai pas eu le temps de faire la petite conclusion de la journée parce que malheureusement j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu vous filmer ce que j'ai mangé. Mais je vous ai mis quelques petites images, donc la dernière vidéo. Alors nous avons fini le trek, nous sommes ensuite partis dans un restaurant qui faisait des tiras, donc c'est des sandwichs cuits au feu de bois, c'était super bon. Alors on avait pris à la saucisse, donc c'est vraiment la spécialité maltaise, avec du fromage de chèvre qui vient de Gozo. Et ensuite, après nos kilomètres de marche, franchement nous étions épuisés. Et ensuite on est rentré direction la Valette. Et voilà les gars, malheureusement on devait faire aujourd'hui la cathédrale Saint-John. Elle est fermée aujourd'hui parce que c'est les vacances. On a vraiment vraiment pas de chance. Bon, on va conclure sur Malte aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié ce vlog. Alors honnêtement, je vous déconseille d'aller en mars à Malte parce que déjà il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, le temps n'est pas trop au rendez-vous et il fait un peu froid quoi. Alors n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et Twitch. Et aussi n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez quand même apprécié la vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et sur ce, n'oubliez pas, never give up.